Je salue toute l'assistance, mais permettez-moi de saluer les Québécois qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir et particulièrement ces illustres représentants au Parlement, ces intellectuels et ces animateurs les plus influents dans la société québécoise. Monsieur Mario Beaulieu, que j'ai connu il y a déjà quelques années, nous fait l'amitié et la fraternité d'un compagnonnage à nul autre pareil. Nous le remercions infiniment, parce que je pense que l'Académie devrait lui ériger ou lui dédier une avenue, une fois qu'il est indépendant. Monsieur, merci à M. Dubel, député également, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir au caucus, puis de nous servir de lien avec des représentants d'autres tendances politiques chargés des droits à la personne qui est ici au gouvernement. Vous avez entendu Madame Sylvie Bergeron tout à l'heure. J'ai eu l'honneur de recevoir son journal sur Sœur Cécilia. Ça s'appelle Journal d'une humaniste. Je vous recommande de le lire parce qu'il retrace la situation et le problème qu'elle a dans son intégralité. Je n'ai pas eu le temps de développer davantage la préface qu'il y avait, que j'ai eu l'honneur de faire, mais sincèrement, il mérite d'autres développements et d'autres lectures pour que tout le monde s'imprègne de la solidarité qu'exprime cette bonne dame avec le peuple kabyle. Non seulement parce que ce Cécilia était une kabyle, mais parce qu'elle aussi est une humaniste particulière. Merci à Madame la Présidente de la Société Journaliste d'être là. J'ai toujours été accueilli fraternellement à la Société Journaliste et de la francophonie qu'elle est censée défendre et promouvoir. Nous avons pu développer comment nous-mêmes, nous avons un lien particulier à la langue française. Et j'ai eu à animer une conférence sur la Kabylie et la francophonie, dans laquelle j'ai expliqué que tant que la colonisation française était implantée en Kabylie, les Kabyles fuyaient la francophonie ou la rejetaient. Ce n'est qu'une fois que le statut d'humilié, le statut de colonisé était terminé pour nous, que nous, les Kabyles, nous nous sommes rués sur la langue française pour nous l'approprier.
que demain, une fois que nous aurons fini avec le statut colonisé par rapport à la langue arabe, nous l'aimerions aussi un peu plus que nous la rejetions aujourd'hui. Bien sûr, la langue kabyle reste notre trésor inestimable que nous apportons à l'humanité, comme ça a été dit dans l'une de nos chansons. Aujourd'hui, je dois parler de la Kabylie. D'abord, ce matin, j'ai une pensée pour les familles qui ont tué des enfants tués par l'Algérie et auxquels on a interdit l'accès au cimetière ce matin pour leur rendre hommage à l'occasion de l'anniversaire de leur massacre, de leur assassinat par les forces de sécurité algériennes. Alors que c'était des gens complètement, des jeunes innocents qui manifestaient pacifiquement au Kabylie. Permettez-moi aussi de ne pas passer en perte et profit les 500 prisonniers kabyles qui sont dans les geôles algériennes pour le seul crime d'être des kabyles. Quelle que soit la tendance politique des kabyles qui sont en prison, c'est au titre de leur identité kabyle qu'ils sont emprisonnés. Ils n'ont commis aucun crime, ils n'ont commis aucun délit, mais le fait de porter la langue kabyle, de porter l'identité kabyle, de porter un espoir de liberté et de démocratie est suffisant pour être considéré comme un crime de lèse-majesté de la République des militaires. Il y a 12 ans, c'était en janvier 2010, exactement le 16 janvier, que j'ai animé ici, à Montréal, une conférence sur la construction de l'État kabyle, quelles sont les étapes nécessaires. J'avais dit à l'époque qu'il y avait au moins 3 étapes. La première, c'est la reconstruction de la conscience nationale kabyle, abîmée par le combat anticolonialiste contre la France, d'abord, ensuite par la volonté de démocratiser l'Algérie pendant plus de 40 ans. Cette conscience a été abîmée puisque, après notamment 1963, après la guerre du FFS, de la Kabylie contre le régime algérien, on était complexé de se dire kabyle. Se dire kabyle était considéré comme étant du séparatisme et surtout passible de la peine de mort. Donc chacun se préservait comme il pouvait. Alors nous avions inventé cette dénomination d'Amazir pour échapper au terme qui allait nous passer devant la cour martiale. Au lieu de dire Kabyle, on se disait Amazir. Cela aussi a eu ses répercussions puisqu'il y a des égarements dans le monde qui font qu'on se considère comme étant un azur et on a toujours un peu de crainte, un peu de honte, un peu de timidité à se dire kabyle. Cette étape a été franchie entre 2001, à partir de 2001, jusqu'à 2010-2015. Donc c'est une étape complètement terminée. La Kabylie est kabyle et nul et personne et ni aucun pouvoir au monde ne peut faire renoncer à un kabyle à son identité
Donc nous faire renoncer un kabyle à son identité kabyle. Et la Kabylie, on a beau dire, on a beau pérorer à travers les instances internationales que la Kabylie est algérienne. Non, la Kabylie est kabyle et elle restera kabyle. La deuxième étape était de se doter des attributs de souveraineté. Nous les avions détaillés à l'époque, mais nous pouvons aujourd'hui dire que la plupart d'entre eux sont réalisés. Des armoiries, un drapeau, un hymne national, un gouvernement, des médias qui nous sont propres, des institutions que nous avons mises sur pied, nous avons un parlement kabyle, nous avons un conseil économique et social et environnemental de la Kabylie, nous avons un haut conseil de la sécurité et tant d'autres instances encore, et il y en a que nous n'avons pas encore réalisé et qui vont venir. Comme par exemple une cour de justice pour s'autosaisir des crimes qui ont été commis contre la Kabylie par tous ceux qui ont pu en violer les droits. Il y a comme étape importante aujourd'hui le projet de constitution de la Kabylie. Ce sera une étape monumentale que nous allons franchir avec la Constitution. Cette Constitution, d'abord, j'en rêve depuis longtemps personnellement, comme tant d'autres militants indépendantistes. J'ai eu des 2005 ou 2006, eu à rencontrer des Kabyles afghanistes qui préparaient déjà une constitution pour la Kabylie. Comme il faut une autorité quelque part pour amorcer une constitution, il fallait donc attendre qu'il y ait un gouvernement provisoire kabyle qui soit mis sur pied, ensuite un parlement. Et cela fait deux ans, plus de deux ans même, que nous avons investi le Parlement kabyle de la mission de nous donner, de nous fournir un projet de constitution. Nous avons d'abord mâché le travail au Parlement en leur présentant une mouture, ou si vous voulez, un brouillon. Ils ont travaillé pendant longtemps en distanciel. Nous avons un parlement dont les membres sont éparpillés à travers le monde et nombreux sont ceux qui sont en Kabylie et qui aujourd'hui sont en prison. Nous avions prévu de les supprimer en cas d'arrestation, et c'est ce qui est arrivé. Donc, nous avons travaillé en distanciel, souvent la nuit, avec les messagers qui existent, nous avons pu débattre démocratiquement. La Constitution doit être la volonté souveraine d'un peuple, ce qui émane de ses entrailles. Qui reflète l'ensemble des valeurs de son peuple, l'ensemble des règles qui régulent les conflits et régulent les problèmes sociaux en général. Une constitution doit aussi aborder les mécanismes de fonctionnement démocratique.
Je vous invite, j'invite le peuple Cayenne à s'en emparer. Nous allons déclarer le débat solennellement ouvert à partir de la journée de la nation Cayenne, qui est le 14 juin. Donc désormais, cette constitution appartient au débat et nous allons faire en sorte que le débat dure le plus longtemps possible. Il y a une commission parlementaire qui se charge de ramasser l'ensemble des amendements, des propositions d'enrichissement, voire de correctif. Et ce n'est qu'au bout de cette année qu'il y aura clôture du débat et synthèse de l'ensemble des interventions et des propositions qui ont été faites. À partir de hier, il y aura une mouture définitive qui sera proposée pour son adoption. L'adoption se fera par voie d'Internet parce que nous sommes un peuple qui n'a pas la latitude d'organiser son propre référendum sur son propre territoire. Donc nous recourons aux technologies, aux multimédia pour dépasser la répression qui s'abat sur notre peuple. Nous arrêterons le calendrier du vote à la première semaine d'avril 2023. Nous proclamerons la Constitution le 20 avril 2023. L'étape supplémentaire, après la proclamation de la Constitution, chers amis, il ne restera une étape. Et je m'engage solennellement devant vous, devant toute la planète, devant l'histoire, devant la conscience humaine, de proclamer la naissance de la République fédérale de Kabylie. Familiaux, notamment, je pense,
à tous les généraux d'origine kabyle qui finiront tous en prison probablement, s'ils ne finiront pas tués par leurs collègues de l'AMD, et ceux dans le commerce où l'économie, les intérêts économiques sont liés à ces généraux-là. Mais le peuple kabyle, dans son écrasante majorité, est indépendantiste. Et si ce n'est pas le cas, nous mettons au défi le régime algérien d'organiser un référendum dès demain. Pour cela, il y a eu un vice de forme qui a été commis en 1962. L'Algérie a accédé à son indépendance grâce à son inscription à la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation. Il y a eu un vice de forme puisque la Kabylie a été incluse dans l'Algérie. Il faut qu'on revienne, qu'on revise ce passage de l'Algérie pour séparer les deux entités et faire en sorte que la Kabylie puisse avoir son propre référendum et non pas être assimilée à l'Algérie. Nous comptons sur les États, les pays dits du monde libre pour appuyer notre démarche parce que la Kabylie de par Sibader, de par son fonctionnement, de par ses aspirations, ne fera que renforcer le monde de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la norme internationale. La Kabylie sera nécessairement un facteur stabilisateur, stabilisant de la région nord-africaine et méditerranéenne. Ce sera une chance supplémentaire pour un monde de paix, un monde de coopération, un monde de liberté et de démocratie et d'échange culturel et économique intensif avec le monde entier. La Kabylie sera une chance pour tous les peuples épris de liberté et nous serons aux côtés de tous ceux qui expriment de manière forte leur besoin d'indépendance. Nous avons, en tant que Kabyles, évolué au Québec, pas en Amérique, mais dans ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, en Afrique notamment et en Asie, une voie qui diffère de toutes celles qui ont mené à l'indépendance auparavant. Jusqu'ici, toutes les indépendances ont été acquises au prix de la guerre et de la violence armée. Nous sommes les seuls à entamer le chemin de la paix et du pacifisme et nous ne dérogerons pas à cette démarche et à ce principe. Vous savez que l'année dernière, le régime algérien a décidé de nous classer en tant qu'organisation terroriste. En violation de toutes les définitions du terrorisme reconnues par l'ONU et les instances internationales. Pour se légitimer et procéder à des arrestations de nos militants, l'Algérie a changé son droit pénal, son code pénal, pour faire de l'article 87-10 celui qui réprime le délit d'opinion et
transition pacifique au régime algérien. Elle a été dénoncée par Amnesty International, elle a été dénoncée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, elle a été dénoncée par le rapport annuel consacré aux droits de l'homme du département d'État américain. Ils ont commencé des arrestations au mois de juin et en même temps que la pandémie du Covid faisait rage au Pyrénées. Je tiens à m'incliner à la mémoire de tous ceux et de celles qui sont morts du Covid, faute d'oxygène, parce que l'Algérie a refusé de donner l'oxygène aux hôpitaux de la Kabylie. Nous nous sommes organisés à l'intérieur comme à l'extérieur pour que nous dotions par nos propres moyens privés et collectifs nos hôpitaux d'équipements médicaux de telle sorte à ce que des extracteurs d'oxygène, génératrices d'oxygène, soient installés un peu dans tous les hôpitaux et qu'on ne soit pas dépendant d'approvisionnement à partir d'Algérie. L'ambassade d'Algérie à Paris a émis un arrêté disant que personne n'a le droit d'acheminer ses équipements par lui-même dans les hôpitaux d'Algérie. Il faut les remettre au ministère de la Santé qui lui décidera du lieu d'affectation. C'est-à-dire qu'on va acheter des équipements médicaux, mais ils n'iront pas au cabinet. Ça allait faire scandale. Le lendemain, la Kabylie est brûlée à 80% de son territoire, avec des drones, avec des hélicoptères, avec des matières incendiaires interdites par les lois de la guerre même. C'est du phosphore blanc et du laser. On voit que nous avons des vidéos par lesquelles nous avons vu les intervalles égaux qu'il y avait entre chaque feu. C'était millimètre. L'Algérie, vous avez vu que l'Algérie avait refusé l'aide de pays étrangers. Alors que la Kabylie brûlait. Il y avait des flammes qui atteignaient 50 mètres d'hauteur. C'était l'enfer. La Kabylie a été réduite, a été transformée en enfer. Pendant 3 jours. Et pour accabler davantage les Kabyles, les services algériens assassinent dans un fourgon de police, devant un commissariat de police, un étranger à la Kabylie, venu aider par ailleurs, pour dire que ce sont les Kabyles qui l'ont assassiné. Et même accuser ma personne d'avoir donné l'ordre d'interpeller. Tout ça, en fait, fait partie de deux opérations. La première s'appelle l'opération 04. L'opération de Kabylie a été décidée depuis longtemps. C'est-à-dire décabiliser les instances de l'État, de l'armée, de l'économie, avant de procéder à un génocide. Je crois que le Covid et le feu font partie de cette opération. Mais en plus, la deuxième opération consiste à faire de la provocation contre le Mac, comme ils l'avaient fait avec le fils en 92, c'est-à-dire les amener à prendre des armes. Donc, nous pousser par cette provocation à prendre des armes et à justifier le fait qu'ils nous aient classés comme des terroristes. Nous avons tenu. Personne ne nous amènera à tuer
apprendre à des armes pour tuer et donner le prétexte ainsi et l'opportunité au pouvoir pour faire un massacre en masse. Nous avons mis en échec la stratégie du pouvoir argentin. Et aujourd'hui, toute la Kabylie, grâce à notre démarche et à cause des crimes commis par l'Algérie ou la Kabylie, toute la Kabylie est indépendantiste. De la question kabyle, nous remercions et félicitons le Maroc d'avoir à maintes reprises, dans les instances onusiennes, défendu le droit du peuple kabyle. J'espère que Sa Majesté le roi du Maroc, pour lequel je souhaite un prompt rétablissement, puisqu'il est atteint du Covid, si je le cite, je lui souhaite vivement de se rétablir. Nous lui demandons de faire un pas supplémentaire pour officialiser cette aide, ce soutien à la cause kabyle, en ouvrant la première représentation diplomatique de la Kabylie dans un pays. J'appelle l'Union africaine, même si toute l'Afrique est sujette aux problèmes comme ceux de la Kabylie, à nous ouvrir ses bras, à nous ouvrir ses portes. Ne serait-ce que dans un premier temps, à titre d'observateur, nous y avons droit. Nous sommes un peuple. Il faut que cette qualité nous soit reconnue par l'Union africaine et que nous puissions avoir des délégués à l'intérieur, en tant qu'observateurs, le temps de faire le travail d'information nécessaire à l'intérieur et que tout le monde puisse se rendre compte. Puis voter en faveur du droit à l'autodétermination du peuple kabyle. La quatrième commission, j'en ai déjà parlé, je demande à l'Union européenne, qui est confrontée au problème avec l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie a pris fait et cause pour Poutine et la Russie dans l'invasion de l'Ukraine. Seule la Kabylie, l'émergence d'une Kabylie indépendante pourra diminuer le chantage au gaz, aux énergies que fait l'Algérie sur l'Europe. Donc, l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne devraient se pencher sur le droit du peuple kabyle à l'autodétermination et le soutenir. Ce ne sera que justice. Et surtout, la réussite pour l'Union européenne, puisque la Kabylie participera désormais à l'édification de relations apaisées entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. À côté de cela, nous avons à demander au monde entier aujourd'hui à ce que le cri de détresse des prisonniers kabyles qui ont été torturés, comme l'un d'entre eux est arrêté, il reste une semaine à 14 jours sous interrogatoire et en lieu isolé. Nombre d'entre eux ont été violés juste pour leur faire perdre l'estime d'eux-mêmes. Je demande que le monde entier fasse pression sur l'Algérie pour la libération de ces prisonniers. Il y a actuellement
une tendance en Algérie qui consiste, parmi les militaires, à forcer la main au président algérien pour faire une politique de la main tendue à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Cette main tendue voudrait se faire comme la mascarade référendaire orchestrée par Bouteflika le 29 septembre 2005, qui a consisté uniquement au pouvoir à s'auto-amnistier des crimes qu'il a commis auparavant. Grâce à ce référendum, il avait interdit par une loi organique à ce que celui qui a perdu quelqu'un, un membre de sa famille, tué par les militaires algériens, les gendarmes de l'ordre, n'ait plus le droit de parler ou d'exiger quoi que ce soit. C'est une loi qui oblige au silence et à ne jamais faire de deuil de celui qui venait de perdre. Ok. J'espère que cette politique de la main tendue qui consiste à effacer tous les problèmes pour repartir autrement, mais pour nous reprendre à lui-même et recommencer, ne soit pas réussie. En tous les cas, nous, en tant que gouvernement pour les Kabyles, en tant que mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, nous refusons que la Kabylie marche dans la mascarade de la main tendue. Si elle était censée sincère, c'est d'abord avec le gouvernement pour les Kabyles ou avec le MAC, qui sont les représentants légitimes du peuple Kabyle, qu'elle va entamer des discussions. Les discussions clandestines, nous n'en voulons pas. Il faut que ce soit de manière officielle que le gouvernement algérien ou ses représentants puissent prendre la langue avec les représentants légitimes du peuple kabyle que nous sommes. Et à ce moment-là, toutes les voies vers une réconciliation, mais pour le droit à l'autodétermination du peuple kabyle, soient ouvertes et que la paix s'installe chez nous. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Et...